quand je parlerai en langue, les langues des hommes et celles des anges. S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastorne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles, seront abolies. Les langues, elles, prendront fin. La connaissance, elle, sera abolie. Car notre connaissance est limitée. Notre prophétie est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Voyage ici à Reno aujourd'hui et c'est avec plaisir que je vais d'abord parler de Nadine puisque c'est elle qui me reçoit. Alors quand je pense à Nadine, je revois cette petite fille, les cheveux blonds, les yeux pères, le teint pâle, les petites couettes blondes qui grandissaient et puis qui est devenue aujourd'hui une belle jeune fille. Elle est âgée maintenant aujourd'hui de 32 ans. Alors elle est remplie de belles qualités. Elle est déterminée, elle a de l'ambition, elle est remplie de projets. Je suis sûre qu'elle va aller très loin dans la vie. Et je vais parler aussi de Sandra, de Lorraine, ma chère Lorraine qui est présentement à toi à Toronto. Et cette chère Lorraine qui est douce, qui est aimante, qui est attachante. Alors à toi Lorraine, je dis que je t'aime beaucoup. Et j'espère que tu vas revenir à Québec. Et à toi, Sandra. La talentueuse Sandra, la raisonnable Sandra. La sérieuse Sandra, la douce Sandra. Alors, elle aussi, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Termine ses études, j'espère qu'elle va bien réussir. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur dans la vie. Nadine, sur son projet, je reviens. Elle est remplie d'idées. Elle a toute la vie devant elle. Alors, je suis sûre, avec tous les talents qu'elle a, qu'elle va réussir à dans la vie, dans sa profession d'abord, et dans son domaine qu'elle veut si bien développer et le rendre si agréable à vivre. Je suis sûre qu'avec le temps et l'énergie qu'elle a, elle va réussir à faire quelque chose de bien avec le domaine, comme elle dit, qu'elle s'est acheté. Et aussi,
Je remercie aussi mes frères, mes sœurs qui sont venus hier nous trouver et qu'on a fait comme un petit party ensemble, un petit repas qu'on a pris ensemble pour souligner à Nadine l'entrée dans sa maison. Alors, ça a été bien apprécié. Et pour terminer, je vais dire un bon merci à Mario, le caméraman à Nadine, qu'on a connu dernièrement et qu'on a trouvé d'une extrême gentillesse. Et on espère le revoir et on l'a trouvé bien aimable et on lui souhaite aussi bonne chance dans toutes ses entreprises. Alors pour terminer, je vous dis à vous tous que je vous aime et je vous souhaite bonne chance à tout le monde. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés et alors tu pourras tenir jusque au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, tu pourras donner le pain de pauvreté. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si l'abondance t'a fait mendier un peu d'amitié, tu auras les mains tendues, alors tu pourras brûler l'argent de tes prisons. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme-Dieu. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.